t'as vu comme c'est beau? Regarde ça, Zizminouille. Oh, ben oui, Zizou, c'est magnifique. Tous ces cerisiers en fleurs. Ouh là là. Les Japonais, ils adorent ça. C'est les sakura en japonais. Ça porte bonheur et c'est l'arrivée du printemps. C'est l'arrivée de la vie. Malheureusement, à cet endroit où on est, il s'est passé des choses terribles. Bon, tu veux que je te les raconte? Eh ben oui, dis-moi, parce que on est à Nagasaki, on a la chance d'être au moment des cerisiers en fleurs, mais raconte-moi tout. Eh ben oui, mais là, les cerisiers en fleurs, c'est la vie. Mais il y a eu beaucoup de choses, et notamment là, une grosse bombe qui est tombée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette grosse bombe, d'un seul coup, d'un seul, elle a tué 150 000 personnes, comme une grosse flamme qui tombait sur les gens. Et les gens sont morts, même s'ils allaient à l'école, les enfants, les vieillards, tous les civils, tout le monde. Alors ça, il faut plus qu'il y ait ça, tu vois. Tu vois, Ninouille, il faut pas qu'il y ait des choses comme ça. Parce que c'est terrible. Les gens, ils ont été pour rien, et d'un coup, c'est tombé. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'était le 9 août 1945. J'ai vu que c'était même à 11h02 parce qu'ils ont retrouvé juste une pendule qui s'était arrêtée. Ouais, et ben il faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il y a des mémorials comme ça. Pour pas qu'on n'oublie pas. Parce que si on oublie, après les gens ils vont recommencer. Surtout que les hommes, et ben ils font des choses terribles. Hein. Ils en ont plein des bombes comme ça. C'est vraiment, vraiment horrible. Et ben là, c'est la mémoriale pour la paix. Alors il faut que la paix, elle continue. Et la ville de Nagasaki, elle fait plein de choses pour la paix. Tu vois là, ce petit endroit, c'est l'endroit où les enfants, ils posent des dessins et plein de guirlandes de toutes les couleurs. Regarde les couleurs. Oh, mais c'est joli, dis donc. C'est les couleurs de la paix. Et tu sais c'est quoi les couleurs de la paix? Eh ben, on dirait un arc-en-ciel. Tout à fait. L'arc-en-ciel, c'est ça qui va unir les hommes. Il faut un drapeau unique pour dire qu'il ne faut pas qu'ils se battent. Parce qu'ils ont tous plein de bombes atomiques. Heureusement qu'ils ne les font pas partir. Ils feraient péter la planète, ces bandes d'abrutis. Ah, c'est vraiment, vraiment horrible. Hein. C'est horrible ce qui est arrivé là. Parce que les gens, ils n'ont rien demandé. Et d'un coup, on a été quelque chose de plus horrible. Tout a fondu sur place. Tu vois, alors pour pas oublier, il y a un grand musée, mais il faut que les gens ils le sachent. C'est pour ça que je te le dis, Ninouille, il faut faire attention. La paix, c'est toujours, même avec ses copains, il faut être en paix. Eh ben oui, hein, c'est important. Toujours, 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 il faut aimer son prochain et les autres et tous ses amis. Tu vois, ces petites guirlandes, c'est fait avec plein de petites grues en papier qui sont pliées. Ce sont des origamis. Et il y en a des milliers, regarde. Des millions, il y en a partout, partout, partout. On regarde, ce sont des enfants du monde entier qui les font et qui les envoient. Il y a même des dessins. Alors, écoute-moi bien. Si tu entends un petit peu ce que je viens de te dire, il faut que tu gardes la paix avec toi. Regarde la statue avec l'enfant qui porte la paix. L'oiseau de la paix, c'est important de le garder dans son cœur. Et oui, c'est vraiment, vraiment important.